Hé, hey, gamin. Quoi? Tu aimes le contenu du Lennon? Ouais, ça va, ouais. Eh bien, dans le doute, sois sympa et clique sur le pouce bleu. Abonne-toi aussi et appuie sur la cloche. Ça aide le Lennon et ça l'empêche de devoir se prostituer. Ah bon? Ah bah si ça peut aider pour ce que ça me coûte, quelle journée à foutre. Et si jamais tu te sens sociable, n'hésite pas à laisser un petit commentaire. Ou un gros commentaire. Voilà, parfait. Oh là là. Des bisous et rappelez-vous, ce sont des choses qui arrivent. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Et bienvenue, bienvenue dans la suite de Atomic Drift Simulator. Oh non, non mes pommes, respectez les pommes. Ah, il a pas respecté. Only you. Oh baby. Ce qui nous arrive est exceptionnel. Ah, c'est fantastique. C'est fantastique, brave Jean. Alors attends, du coup, comment on peut combattre ces gens? Par le nombre. J'ai que ça, hein. Moi j'ai que ça, hein. Je vais tenter de les combattre par le nombre parce que les dracars. Ah, c'est bourrin. C'est bourrin et ça met une sacrée merde, hein. Ouais, voilà. Tu vois, on se fait tuer beaucoup trop vite en fait par leur explosion de dracars. Donc ça passe pas. Des vendeurs de potions peut-être. Juste pour voir, hein. Non, ça marche pas, ouais, bien sûr. Ça marche jamais, les vendeurs de potions. Alors, il me faudrait un appât, hein. Ouais, c'est ce que je pense, hein. C'est ce que je pense, hein. Quoi qu'on peut sortir un double Vlad pour un taux de pénétration supérieur, hein. T'as dit Vlad, ça le tue, hein. Ouais, bon, après, si, ça les tue, ouais, forcément. Forcément, ça les tue. Oh, un géant. Non, j'ai pas le matos pour un géant. Un cheval. Ah non, malheureusement ça passe pas. Tant pis. Un truc lance-flamme. Ouais, ça passe pas. Ça aurait pu passer. Mais il faut que je les bait. Ouais, j'ai fait le virage trop vite. Il faut que je les bait pour qu'ils lancent leur bateau. Mais que ça me tombe pas dessus si tu veux. Oh non, je l'avais. Je suis dégoûté. Tant pis. Parce que là, attends, il faut que je fasse demi-tour. Merde. Mais sans faire trop déjà vu, parce que sinon, ça passe pas. Mais sans tomber non plus. Parce que là, attends, prends de la marge. Voilà, tourne sur toi-même. Ouais, je peux pas passer sous les bateaux. Dans ce cas-là, prenons des unités qui vont mourir pour nous. Voilà. T'attends que tous les bateaux soient jetés. Et merde, je suis tombé, c'est brave. Pouf pouf. On attend que tous les bateaux soient jetés. Voilà, et on brûle tout le monde. Impeccable. En plus là je me suis bien mis là. Là je suis calé. Oh je suis bien. Oh je bouge plus. Oh Polo. Oh c'est beau. Oh je bouge plus. Qui Très bien. Qui a survécu? Qui est l'infâme connard qui a survécu? Alors que, qui est l'infâme connard qui a survécu pour gâcher la consécration de la victoire? Où est-il? Il est là, il revient. Alors là, il s'agit de pas se biter. On est plus agile que lui, on est plus agile que lui. Oh là là, c'est raté! Tatakai! Tatakai! Oui, on se désaxe! Oui, il chute! Ah là là, attention! Tac! Pec! 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 Tac! Oh! La prise de 360! Et boum! Et boum! La corde à linge! Oh là 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 là! Ce pas de danse fantastique! Ce clutch, cette victoire, mon gars, cette miniature, elle est fantastique. Hein. Le dab. Oh, le dab. Putain, on peut voir le dab de là. Non, non, il passe pas, le dab. Hein. Mais ça dab. Hein. Ça dab en victoire. Hein. Putain, c'est dur. Voilà. Oh, le dab. Oh, le dab. Le dab de la muerte. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est un instant miniature. Un instant Kodak. C'est beau,
C'est beau, on aime. Alors, Final Destination Valkyrie, très bien. Final Destination Valkyrie. Bonjour. Dommage, j'ai pas eu le temps de réagir. Dans ce cas, il faut être sur un autre. Voilà. Dommage. T'attends une seconde. Allez, c'est ça, ramène-toi. Ça y est ! Trop court. Allez, 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 allez. Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Brunhilde ! Fais-moi l'amour ! Oh, la technique de l'ombre de la feuille morte de Konoha ! Il y avait un Pégu caché sous la Valkyrie. Oh, le suplex ! Oh, la prise de catch ! Hashtag MeToo. C'est beau. En tout cas, c'est beau. Hein. Ça, c'est clutch, les victoires comme ça. Ah, mais non, mais c'est pas vrai. 6500. Bon, on a au moins plus de moyens de se battre. On a au moins les moyens de se battre. Ça fait plaisir. Ça fait 6 cheerleaders. Et un mass spinner. Allons-y. Vas-y. Go for it, Demacia Man. On te regarde. Demacia. Ouais, forcément. Il est arrivé ce qu'il devait arriver. Très bien. Executioner, Mace Spinner, Jester, Fanbearer, Cheerleader, Vlad, et après c'est trop cher. Voyons voir. Bah écoute, le bon vieux, hein. C'est parti! Gatling! C'est Doom! Je joue à Doom, mais barre-toi, barre-toi, Géraldine! Laissez pas s'approcher, laissez pas s'approcher. Et voilà! Une montagne de Schneck! Mais ça aussi, c'est une super miniature, si tu veux. Ça aussi, c'est une miniature qu'elle est god tier. Elle est fantastique. Il y a tellement de miniatures à faire avec ce truc, c'est OP. Hein. C'est complètement OP. Le Mitra Snake, par contre, ça marche. Hein. La Snake Gatling, c'est fantastique. Oh, des créatures, très bien. Des créatures, on a 10 000. 5 Zeus, c'est parti. Ouais, ok. Les Zeus, ça passe pas. 10 000 de score. Avec les 10 000, on a Artemis, 3 cheerleaders et des débilus. Oh, oh, je maîtrise plus rien! Le recul! Le recul m'a fait chuter! Le recul m'a fait chuter! Ah non, mais celle-ci aussi, elle est cool comme miniature. Hein. Celle-là aussi, elle est sympa comme miniature. Hein. Mais oui, mais regarde ça. Celle-ci aussi, elle est fantastique, cette miniature. Elle est géniale. Mais c'est John Wick. Hein. Oh là 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 là, ça bourre. Hein. Ça bourre, ça bourre. 1500, Final Destination, Minotaur. Moi, je dis Final Destination, Caillou Man. Caillouman! Fuite. Fuite, 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 fuite. Caillouman! Le plus fort de la terre, tes gadins sont en pierre, tu défonces pas peu cher, et tu leur niques leur mère. Caillouman! Caillouman, quoi! Très bien, Rushdown. C'est qui ça? C'est des... Ah, c'est des headbangers! Des headbangers de Valkyrie. D'accord, eux ils rush. Juste pour goûter. Je sais que c'est pas légal, mais. C'est
C'était juste pour goûter. C'est pas efficace, mais Dieu que c'est fun. Alors, du coup, pour combattre ces fumiers... Des chevaliers. Inquisicis Praetoria! Infirmus! C'est pas passé. Très bien. Très bien, c'est pas passé. C'est pas passé. Donne ma glace! Riohan! J'ai été eu. Dommage. C'est dommage, hein. C'était une belle tentative. Malheureusement, ça ne passe pas. Réfléchissons. J'ai réfléchi. Déjà vous! J'esquive tous les ennemis, before! Je claque leur cooldown, je suis trop rapide pour vous! Raté! Bah! Quel dommage! On avait pourtant un bon avantage. On était bien partis. 4500, est-ce que j'ai pas... C'est pas le prix d'une Artemis, non, c'est 6500. J'ai un géant des arbres, par contre. C'est vrai que c'est bien, ça. Allez, venez. Ouais, c'est dommage, parce qu'il est pas assez fort, mais... Ça fait le ménage, hein. Ah, quel dommage. Mais c'était beau. Peut-être quelques unités supplémentaires... Histoire d'équilibrer ça. Très bien. Allez, les ondes de choc. Voilà, maintenant que j'ai l'avantage à l'énergie. Que j'avais l'avantage à l'énergie, quel dommage. Quel dommage. Harvester, c'est pas une mauvaise idée, ça. Voilà, parce qu'à chaque fois que je tape quelqu'un, ça diminue mon cooldown et je peux les enchaîner, si tu veux. Voilà, et je peux les faucher. Ah, il m'a eu. Le duel est total. Ouh, la gifle. Fauché comme les blés. Oh là 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 là. Ça clutch, hein. Ça clutch. C'est beau. Waouh, tous les bateaux, ils sont dans la flotte. C'est trop bien. Ils ont le droit. Enfin, sans doute. Chaviré, beaucoup d'ennemis, 5000 points. Je me demande si 4... ouais, je pense pas que 4 suffisent. 4 cheerleaders suffisent à faire une tornade, si tu veux. On peut tester, hein, mais... D'accord, et il coule. Ok, très bien. Très bien. Ouais, non, malheureusement, ça passe pas. Ça passe pas. Ok, on va changer la stratégie. 5 Vlad. Mais attends, on va changer leur placement. 5 Vlad. Voilà. Ils vont automatiquement se recalibrer, voilà, sur les fumiers qui débarquent là. S'ils veulent bien passer avec leur poutre. Ils passent pas avec leur poutre. Mais arrêtez! Arrêtez, camarade! Quel bordel!
bordel. Aucun qui se tient sa poutre, si tu veux. Final Destination catapulte. Ça m'intéresse, ça. Ça, c'est beau. C'est facile à gagner, les Final Destination, mais... Dommage. Oh! C'est dommage, je l'avais. Hein. Oh là là! Ce drama. Et c'est la victoire! Et ouais, mon gars! Ah, c'est beau, hein! Il y avait du drama. Les gros frappeurs pour. Allez, d'accord, donc c'est ceux qui font beaucoup de dégâts, très bien. Ceux qui font énormément de dégâts pour cher. Je vous. Attends. Putain. Vas-y, joue toute seule qu'on regarde. Attends. Recommence du début pour qu'on puisse se marrer. Artemis là. Et les cheerleaders là, très bien. Allons-y. Oh là là. Blé. Oh non. Blé. Cet océan de flèches. Oh là 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 là. Est-ce qu'elle retombe ou pas? Ou est-ce qu'elle disparaisse après un certain moment? Ce serait fumé qu'elle retombe. Ouais, elles ont l'air de disparaître après une certaine distance. Quel dommage! Moi qui voulais leur faire une pluie de flèches, mais cosmique si tu veux. Mais c'est beau, hein. En tout cas, c'est bon. Oh là 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 là. Il est mort, Bjorn. Olaf qui meurt dans sa bite, hein. Oh là là, mais cette position de John Wick! Oh, Artemis qu'on peut plus, si tu veux. C'est beau. J'aime bien quand ils te donnent plein de scores, hein. C'est joli, hein. C'est joli. Quelques Zeus. Eh ben, on va jouer avec quelques Zeus aussi, on va se marrer. On en a moins, nous, mais c'est pas grave. Au sol, on a l'avantage. Putain. C'est un combat de Harry Potter. Oh là là, ce tir de Poudlard. Ultra instinct. Ouais, forcément. Oh là 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 là. Ah, il m'a eu. Qui est mort, qui ne l'est pas. Il ne reste que moi. Oh là là. Oh. Oh. Stupéfuck your mom. Oh, le stupéfix, quoi. Oh là là. Stupé. Oh.
Oh là 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 là. Sandek, Zusk, qui est dans des positions extrêmement compromettantes. Voilà comme ça, sbré. Ça déconne zéro. Stupéslip. Alors, Final Destination, le roi. Très bien. Est-ce que j'ai assez pour avoir un roi ou est-ce que c'est une fraude? C'est une fraude. Dans ce cas-là, Final Destination, le chevalier. Avec ses magiciens soigneurs. Des masses. Je suis en train de soigner, je suis en train de soigner. Ténébris. Tachiko tour. Putain, allez, allez. Tac, tac. Ah. Quel dommage. Oh non. Ah, c'est difficile. C'est difficile, c'est difficile. Dans ce cas, il faut le laisser tomber lui-même, en fait. Mettre un soigneur, et tu mets deux archers. Ça, vas-y, approche. Voilà. Ténébris. Ah, fauché. Alors, eux, ils vont payer pour tous les autres. Oh shit! C'est pas exactement comme ça que je m'y attendais, mais ok. Ça clutch! Dommage. Je me demande si une armée de Wololo, ça peut lui faire des vrais dégâts ou pas du tout. Non, malheureusement, non, attends. Pas de barde, voilà. Laissez-la. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se soigner entre eux. Est-ce qu'ils le visent, leur roi, un peu ou pas du tout? Non, ils le viseront pas. Hein. Ils le viseront pas. Très bien. Bon, bah, dans ce cas-là, contre le King, un Jarl, hein. Putain, je l'ai bouffé celle-là, on recommence. Pouf pouf. Tac. Il est trop haut. Il est trop haut. Il est surtout trop débilus, ok. Je me demande si ça passe, hein. Et tu mets une Valkyrie pour faire bonne mesure. Bam. Déjà, il se fait distraire par le piaf, il s'en prend une, il tombe, il chute. Bon, double chute. Ouh! Oh la manchette! La manchette de For Honor, mon gars! Oh là 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 là! Ça c'est beau, hein! Le Hersir, il est propre, hein! Alors du coup, qu'est-ce que c'est? J'ai que 100 balles pour 2 paladins. Et j'ai le droit qu'à 1 paladin. Voilà, la concentration est maximale, mais le duel de Perceval est intense. Et Perceval a prévalu. Prévalu, mon gars. Fierce Rider. Ah oui, il y a des hobbits en haut de ces mammouths. Bon, vous connaissez la chanson, hein. Artemis, miss, la petite miss. Et à l'avant, on va mettre des mecs pour serrer de bouclier. Vas-y, sauce. Où Jésus? Putain, j'ai pas intérêt à sortir de la couverture, hein. La couverture sociale, elle déconne zéro ici, hein. Fou là 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 là. Bilbo Ultra Instinct! Merde!
Bilbo Ultra Instinct, c'était merveilleux. Et là, c'est Final Destination Mammouth. Eh bah, très bien. Final Destination Mammouth. Moi, je joue le jeu, hein, les enfants. Moi, je joue le jeu. On a les moyens, en plus. Bon, forcément... Voilà, le début, ça va se passer des choses comme ça, si tu veux. Tiens. Ça reproduit sec. Hein. Ça pénètre dans les mémères. Hein. Ah! Il a été vaincu. Bon. C'est la fin! Victoire! Victoire totale! Merci d'avoir joué à travers nos aventures de combat étranges. C'est la victoire totale et c'est cool! Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme campagne? Parce qu'il y a d'autres. Il y a les challenges maintenant, Dynastie et Renaissance. Faut voir les challenges. Putain, les challenges, ça a l'air chaud. Ça a l'air chaud, les challenges. On va peut-être commencer par les Dynasties, puis les Renaissances, histoire de se donner accès aux personnages précédents. Et quand on aura les personnages précédents, on fera les challenges. Pour l'amour, c'est quoi ça, Hello Workshop, local, custom? Parce que c'est... Ouais, bah c'est des combats classiques. Ah, j'ai zéro. Ah non, j'ai le droit autant que je veux. Ah, d'accord, j'ai le droit autant que je veux. Eh ben, des cailloux. La meilleure solution contre un problème. C'est les cailloux. Beaucoup... de cailloux. Tenez la ligne! Oh shit! Yeah. Monsieur, c'est compliqué de tenir la ligne, monsieur! On dirait un mini-jeu de Kingdom Hearts, au secours! Oh mon dieu! Et que cache cet immense rocher turgescent? Notre bite! Oui, tiens, il tient! Ouh! Fauché! C'est les meilleures strates, les amis. C'est les meilleures strates. Les lynchages aux cailloux. Ou alors, si tu veux vraiment te la péter, tu prépares les Watcha. Voilà. Comme vous l'aviez demandé, en exclusivité, avant le prochain épisode, ça va saucer les Watcha! Oh, les orques de Staline! Gros bisous à tous et à la prochaine. D'où Jésus, Léonidas a survécu. Et ça, chers amis, ça, c'est le vrai héroïsme. Bisous et à la prochaine. Allez, zou. Tant pis.